Non, mais j'avoue, mais je suis un maxeur en disant top 5. Jack Goff. Ah, c'est vrai. Là, c'est parti, hein. Une histoire qui remonte à bien longtemps. Jack Goff. C'est l'heure de la prière. Eh, ça m'énerve. Il y a les mêmes mèmes entre les Luigi de Smash Ultimate et les Luigi de Smash Melee. C'est les mêmes mecs. Ouais. C'est les mêmes mecs qui prient. Eux, c'est Geraldine et sur Ultimate, c'est, je me rappelle plus comment ils s'appellent. C'est les mêmes mecs. Le tag EDC. Hein. On est parti qui est hype pour du Jagoff. Taper 1. Tous les fans de Jagoff qui sont encore là depuis 10 ans. Faire top 5, battre Raoul et déjà deux fois gagner le tournoi et devenir meilleur joueur de France. Qui? Bah, c'est mieux, c'est différent. Ça part de Neko, je pense, non? Ou de Jagoff? Ah, ça part de Sekanor. Ah ouais? Mmh. Ah, il est bouillant, Sekanor. Sekanor qui peut battre Raoul. Incroyable. Voilà. Je pose ma pièce. C'est pas ma pièce, mais. Dokok qui est là, dans le chat. Oui, sur Ult, Luigi, on rate pas une niche de baiser. On rate pas une. Après, c'est pas craqué non plus. Alors, ouais, c'est vrai qu'il a un sacré punish sur Luigi, sur Ultimate, c'est plutôt dingue depuis le début du jeu d'ailleurs. Il fait des combos de malade mental. Ouais. Alors, je connais pas le matchup. J'avoue que je vois pas beaucoup Luigi contre Captain Falcon. C'est plutôt isolé, honnêtement. Les deux ont pas la meilleure recovery. Et ont des gros combos l'un sur l'autre. Ouais, les deux se punissent bien entre eux, quoi. Juste. Faut bien spacer les combos avec Falcon parce que ça peut vite. Tu mets ton upper un peu trop près, tu vas vite te prendre un air et c'est plus ton combo quoi. Genre là, typiquement. Et au moins il a trade. C'est bien ce qu'il fait. Hein. Ouais. Otina et ses wave dash. C'est Rising qui joue un peu avec ses wave dash. Hein. Il adore wave dash out, wave dash in shield. C'est si fort, il fait tellement peur avec en plus. Ouais, mais c'est terrifiant. Mais il faut quand même, en tant qu'adversaire, faut quand même continuer à jouer contre et être prêt à contrer chaque wave dash in parce que sinon. Oula. Si tu lui laisses jouer son. Oh, Bonnie au bord du terrain qui va venir tuer. Ça, c'est la même punition là de la get up. Je pense que Jack est peut-être censé glisser et. Oula. C'était pas forcément une get up attaque qui voulait faire. No mi... Il fait rien, no mix up mix up. Voilà, Jack il suit bien. Jack est sur les talons de Jag. Oh. Sa petite phase. Non, dommage, je ne vois rien là-dessus. Oh putain, beau combo là. Ouais. Ah, il est très intelligent, il l'envoie directement dehors et il veut les garde. Hein. Il a plus de saut, il a plus rien. Bon. C'est Falcon, hein. Il peut récupérer son double saut. Avec ça... Petek. Oh, il est revenu direct sur lui, c'était très bien joué. Ça a failli le sauver, mais Jaridin est trop présent. Trop prêt à ce genre d'option. Très présomptueux. Ok, la petite tornade pour gratter un peu d'auteur. Il remonte sur le terrain. Il monte sur le terrain, 69% buff, il les a plus. Il récupère sa tornade et en même temps, il touche Jagoff. Une pierre de coup. J'ai envie de trouver des bons confirmes au-dessus. Oh, c'est très bien joué. Le moindre 8 et ça confirme sévèrement pour Jack quand même. Hein. Ça, ça monte le level du gars. Nice, celui-là très bon back air qui va donner à Jagoff le temps de revenir. Un peu d'air. Luigi, ça met énormément de pression. Oh, nice, belle read. C'est ça qu'il faut faire. Son side B, il est tellement vulnérable. Pendant qu'il le charge et à la sortie, ouais, faut vraiment finir le side B Luigi. Et ce personnage peut sauvegarder extrêmement facilement. Oula. Très belle phase. Il n'y a plus de saut. Il y a un sur un Gerardi. Oh, Jack. Ok, Jack Goff qui a choisi. Dans les deux, leur pseudo, c'est pas évident. Hein. Mais Jack Goff qui a choisi de. Ouais, je dis Falcon et Luigi, c'est lui. C'est un faux mec. Eh, c'est bon. Ouais, vas-y, lâche ça, ouais. Ça, y'en a qu'un seul, hein, qui tombe des trucs comme ça. Y'en a qu'un seul, mon gars. Allez, prends ta tech chase. Mais regarde, il s'est pas fait punir pour ce Falcon Punch. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est pas des Falcon Punch stupides qu'il fait, Jacob. Des fois. C'est très bon. Tout souvent, quand même, il sait qu'il peut pas vraiment se faire punir. Oh, attention, il a plus de saut, il a plus rien, c'est bon, il a plus récupéré ses ressources. Ouais, il laisse pas revenir sur son centre. Hein. J'ai dit, on le ledge trap. C'est la prison, hein. Ok, on trouve ça. Ah, un grab, hein. C'est tout ce qu'il faut, hein. Tout ce qu'il a toujours fallu, de toute façon, pour Falcon.
Un grade et on peut gagner cette game. Allez. Ouh, attention les combos. Hop, attends. Bah, FF. Bah, c'est pas ton combo en fait. Il a surestimé le stun qu'il avait infligé à Luigi et malheureusement, Luigi a appuyé sur le bouton pour reprendre le combo en main. Il a récupéré le combo, il a fait c'est pas ton combo, c'est le mien. C'est vrai tout de même, Jadeloff s'en sort très bien. Il me semble que Jal le respecte toujours énormément, malgré le fait que Jarinu soit clairement devenu un des meilleurs joueurs européens et que Jagoff ait arrêté plus ou moins la compétition pendant un moment. On sent que les deux se tiennent plus ou moins, ils se connaissent. Oh, ce stomp qui est puni de 40% dans la bouche. Oh, le nid, mais ouais, très belle direct, hein, ça va pas tuer. Il va chercher, oh, il va chercher très loin. Il a plus de aussi, il a plus de évidemment. Un petit misfire, non? Les side B faut les punir, voilà. Oh, il a raté. Oh, bien joué. Ah, le misfire, non, toujours pas. Ah, un petit peu de manqué là sur Jagoff. Il aurait clairement pu avoir cette stock. En tout cas, très beau travail de lui quand même, de sa part. Et il a plus de saut, le donner qui va venir chercher cette stock. Jaredin, il va pas rater ça. Et Falcon, c'est impossible. Il prend cette stock tout de suite. Hein. Dès que Jagoff est dehors avec quelques pourcents, C'est fini. C'est quasiment fini. On l'a vu essayer de revenir avec des wall jump back air, faire des petites dingueries, mais c'est compliqué. Jaredin, c'est pas un blagueur sur le regard. Le shield, non. Permet de respirer un peu. Le back air, ça veut dire que je vais faire top. Fermez les pendules à l'heure, qui est juste 40%, hein. C'est pas beaucoup. Un hein. Falcon, ça peut venir les chercher rapidement, ces pourcentages. Ouais. Dans ce genre de match-up, 40%, c'est pas grand-chose. On trouve une belle phase de Jagoff qui se fait tout de suite interrompre. Il a glissé vers lui, il l'a regardé dans les yeux. Il y a toujours un moment où ton combo, ça va être interrompu, ça va être le combo Luigi en fait. Faut vraiment jamais overextend. Ouais. Très belle tech, il va recréer rush tout de suite. Ouais, il avait toujours son saut, hein. Je pensais qu'il l'avait plus. Je connais pas ce match, je pense qu'il est. Jack avait sauté, je pense, pour couvrir la plateforme, mais il s'est fait. Ouais, non, il n'est pas puni pour ça. Il n'est pas puni pour ça, non, pas de situation tech chase, je passe trop. On joue en bas. Allez, ça roule. Il y a même du boulot. J'ai pas compris que tu sois tout seul. Vas-y, vas-y. Ah, donc, première game, pas si programme de Jaguar, j'ai vu. Enfin, genre, Jaguar s'en sort bien. Jaguar s'en sort bien. Jaguar s'en sort bien. Après, là, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué hein, pour le Captain Falcon. En tout cas, j'ai la flemme de dire Jaguar, Jarine, c'est trop dur. Moi, je dis Falcon, Luigi, c'est bon, c'est plus simple. Mais Oula, il n'est pas puni pour sa recovery. Déjà, il est fort en adaptation. Ouais. Tu joues avec lui, la première, tu fais putain, c'est prenable. Ouais, et oui, après, là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai joué avec lui en freeplay, j'ai fait 2-3 games, je fais attends, bah, ça va. Ouais. Et après, il me mettait 3 stocks, 4 stocks. Ouais. Ok, c'est bon, my bad. Y a un peu le pays. C'est vrai que ça existe ce move. Il y a un peu pareil avec Tech, je trouve. Ouais, Tech, c'est pareil. Tu commences, t'es en mode vas-y, c'est un peu la marque des grands joueurs, quoi. C'est vrai. Dit comme ça. Ah, il y avait un bon bonus. Oh, le stomp! Ton pas de nid, ok, ça allait pas tuer de toute façon. Je pense qu'il est un peu. Pas bien de mettre un légère de Falcon, Luigi, c'est assez facile. Hein, je sais pas, mais là ça tue. Non, ça tue pas, ok, très belle Diary. Ah, toujours pas de misfire. Il est puni de misfire. Ah, il en fait rarement. Le Jaredin, c'est pas un des Luigi qui connaît le cheat code pour avoir des misfire quand il est. Je sais pas si c'était fait exprès, mais ça a failli passer. Oh! Des anti-airs, le petit. Est-ce qu'il va venir le chercher, le petit petit? Non, ça passe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, c'est beau. Venu cueillir la roll au up B. Jack commence par des combos, double ni, 50% soft stage. Est-ce qu'il a gardé son saut? Je ne crois pas. Si, il avait gardé son saut, je ne connais pas ce match de spoiler, je suis nul. Tu t'affrontes le perdant de ça, ça va être. Ouais. Jab, multi-jab. Pas de gentleman. Oh, la conversion. La conversion, hein, c'était. Oh non, dommage, ouais. Ouais. Je crois pas que ça soit true le dump throw. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas un main Falcon, mais. Oula. Il me semble que c'est pas true. La balayette, il fait tomber. Oula, ça va très. Oh là là. La conversion, non, il avait son double saut encore. Ouais, il a essayé de nous sub sa DI, mais. La buff avait bien dit. Et on peut entendre la subtilité d'Exi en fond. Il a plus de saut, il a plus de ressources, il a plus rien, il arrive quand même. Grâce à cette air dodge. Ça grave le ledge. Oh. Ouf. Là là. Aïe aïe aïe.
ça c'est c'est ouvert au chapitre Jagoff. Quel ride de ouf. Je sais pas si c'était une réaction ou une ride. Je pense que c'est une ride, hein, c'est très vite. En fait, il a fait wave dash avant pour sur un classique de Luigi, wave dash avant, wave dash arrière très vite. Et si tu paniques un peu, tu fais ton ta buffer roll, c'est un classique, tu peux là, vraiment, il y a plein de sets de Luigi. Oh, il a raté son wave land. Tu vois, l'appareil, il était prêt. Ok. En stream ou non, pas en stream. Ah ouais, vous faites le stream. Juste un match, parce qu'il y a un match. Ok. J'ai l'impression que c'est grave close, ouais, mais en fait, Jacob. Wouah, Misfire! Misfire useless! On va passer useless au sein, parce qu'il avait respawn. Ça lui permet de récupérer une neutrale gratuitement. Ouh, ni... Oh, ça a récupéré de saut. Il a sauté dedans. Ouais, ouais, il a double saut. T'as joué là sur le setup du stream? Ouais, plusieurs fois. C'est horrible d'entendre tous les commentaires. Ah, moi je mets mes écouteurs, mais ah, jamais. Mets écouteurs. Ah, moi je les ai pas, j'entends tout ce que les gens disent. Eh, moi je t'ai dit chain grab. Ouais, mais bah, en plein milieu, ceux qui changent en plein milieu du set pour chain grab, non, ça c'est scandaleux. Oh, attends, Jacob est en train de remonter. C'est vrai. Jacob est en train de remonter, attention quand même, hein, le 10 a des grosses conversions. Il y a un combo qui part, il y a un combo. Ouh là, ouais. Ouh, il récupère le combo avec un EPR, c'est la spéciale Luigi. Ouais, beau backer. Hein. Oh oui, ah, il a mieux récupéré de shield. Oh dommage, l'EPR l'a touché, il n'avait plus de saut, il n'avait plus rien. Il était à 60%, je pense qu'il mourrait largement. Ah, ce pourcentage-là, un petit coup. Et ouais, il est mort. Ah, il je vais dans la base zone, attention. Attention, hein. Des combos un avec bon des doubles, triples nids. T'es content d'affronter Jagoff? Oh, ça va être cool. tu penses que tu peux le faire? On verra, je sais pas. J'ai jamais affronté. Bah, si. À mon premier tournoi, je l'ai affronté, mais c'est n'importe quoi. Il me laissait counterpick Dreamland en boucle. Ouais, bah. Il est gentil. Ouais. 27. Bravo. Plutôt close quand même à la fin. Ouais, plutôt il s'est fait une petite frayeur. Plutôt close. 3-0 close, comme on dit. Bon, alors ça va partir sur quel match? Je vais voir du exit pour savoir. Je sais pas si je vais m'entendre. Je vais te dire ça.